maintenant, il y a un personnage assez extraordinaire dont vous allez faire la connaissance. Et alors là, je suis bien sûr que vous ne vous attendez pas du tout à ce que vous allez voir. Il faut lui faire une surprise. Monsieur Robert Hirsch, vous connaissez? Oui, il fait mon mari. Il fait votre mari dans le film, oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui comme acteur? Il est un amour. Bien sûr, mais comme comédien, enfin, qu'est-ce que vous pensez? Ah, il est très, très... Un acteur très bon. De drame, hein? Un acteur de tragédie, sérieux, de drame. Oui. Sérieux, oui. Oui. Eh bien, écoutez, voyez-vous, ce soir, j'aurais beaucoup aimé vous présenter Robert Hirsch. Malheureusement, Robert Hirsch, oui, il faut que je vous l'avoue, Robert Hirsch, ce soir, n'a pas pu venir. Mais il m'a prié de l'en excuser auprès de vous et de vous présenter à sa place sa cousine. Non, mais ce n'est pas drôle du tout. Non, c'est pas drôle, parce qu'on compte sur Robert Hirsch, on pense qu'il va venir, on sait que ça fera plaisir à Gina Lollobrigida de le découvrir sous un aspect inattendu, et puis voilà, pan, au dernier moment, Robert Hirsch ne peut pas venir. Mais heureusement, il a de la famille, et il nous... Je vois pas ce qu'il y a de drôle, est-ce que Robert Hirsch est de la famille, enfin. Et Robert Hirsch nous a envoyé sa cousine. Sa cousine qui s'appelle Mademoiselle Roberta von Hirsch, chanteuse wagnérienne de théâtre de l'opéra de Berlin. Voici donc Mademoiselle Roberta von Hirsch. Accompagnée, bien entendu, au piano, par Monsieur Yves Claouet. Il est bête.
tête. Je m'excuse, cher public. Thank you.
compositeur toulousain